Salut tout le monde, c'est Eldezo. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga Betum qui a été fait en 2012, qui est en 11 épisodes et qui est typé action. Vous pourrez aussi y retrouver à l'intérieur une petite histoire d'amour. Donc c'est un manga qui est plutôt pas mal mouvementé, l'histoire est bien gérée, il y a un bon scénario et pas mal de suspense. On va pouvoir découvrir pas mal de choses dans ce manga. Donc c'est tout simplement un garçon de 22 ans qui vit encore chez sa mère. Il joue toute la journée au FPS, il est l'un des 10 meilleurs joueurs mondiaux sur le jeu Betum. Et tout simplement, du jour au lendemain, il va se retrouver sur une île déserte, entourée de plein de personnes. Et il va devoir jouer en mode réel à son jeu préféré. Donc c'est franchement un manga qui est plutôt pas mal, moi je l'ai bien aimé. À la fin, je suis même resté sur ma fin. Je vous le conseille du coup. Je vous le présente justement pour ça. Donc j'espère qu'à vous aussi il vous plaira. C'est un peu bizarre au début, on va dire. Il est. Enfin, avec les images et tout qu'on peut voir, il peut être assez. Il peut paraître nul, mais franchement, quand je me suis mis dedans après, j'ai trouvé qu'il claquait, mais bien comme il faut. Donc j'espère que pour vous ce sera pareil. Moi je vais vous laisser sur ça. N'oubliez pas d'aller voir dans la description la synopsie et aussi le lien pour aller voir le manga. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde!